Il a été un des hommes les plus puissants de France. À 74 ans, l'ancien PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinette, n'aspire toujours pas à une retraite oisive. Comme son père, sa vie de militant ne trouve pas de repos, juste des pauses. Entre Campomor et Bastelica, sur les chemins de sa jeunesse tourmentée. Jeunesse que nous parcourons à présent, avec ou sans filtre. Hey. Bienvenue dans votre vie, Jean-Cyril Spinetta. Il y a trois lieux dans l'émission, hein, oui. Avec des photos de votre famille et de vous. Et vous allez nous raconter justement chaque photo pour qu'on comprenne mieux votre parcours. Alors on va commencer par la première, Luc, si vous voulez bien. Ça, c'est mon grand-père, qui s'appelle Siri. Alors c'est un mystère, il était corse de Rospigliano. Pourquoi s'appelait-il Cerelli? Ça restait un grand mystère familial. Et qui a été toute sa vie un militant socialiste et syndical acharné. Candidat, ami de Jaurès, etc. Et donc, une tradition familiale dans laquelle la famille s'est inscrite, et moi aussi. Et vous aussi. Et un de ses premiers métiers, c'est d'être le responsable d'une mine d'or qui est à Bulle-de-Lièvre, dans la Creuse. Et c'est sur le carreau de la mine d'or que naît mon père en 1908. Voilà, donc j'ai un père qui est né dans une mine d'or, mais ce n'était pas une mine d'or familiale, c'est une mine d'or qui était possédée par des. Qui gérait. Voilà, votre père, vous en avez parlé justement, votre père, il est là, mené. Alors voilà, je disais tradition de militantisme. Ça, c'est mon père en congrès du parti de la SFIO. Il a la pipe, lui. Hein. Voilà, c'est l'homme à la pipe avec les lunettes. C'est une expression habituelle, il y a toujours une pipe au bec. Militant socialiste, très tôt, il est né en 1908. Et donc, militant socialiste dès son plus jeune âge. Et là, c'est un congrès du Parti socialiste en 47 ou 48, je ne sais pas très bien. C'est un homme qui a passé sa vie dans le service public, qui avait un véritable amour du service public. Alors lui, c'était le ministère de l'équipement, les ponts et chaussées, quand il était ingénieur des ponts et chaussées, comme on disait à l'époque. Et donc, il a passé sa vie dans ce militaire. Il a été directeur de la construction en 51, après avoir été au cabinet de Christian Pinault. Et il est un des hommes, avec des choses bien, des choses qui ont été contestées, qui ont reconstruit la France au lendemain de la guerre. Et il a travaillé jusqu'à 70 ans. Et après 70 ans, on lui a confié une mission, dont une mission sur l'assurance construction. Et la loi qui en est issue de cette mission porte son nom, la loi Spinetta. On a parlé de sa carrière. Parlez-moi un petit peu de son caractère à votre papa. Alors, c'est un homme bienveillant. Il ne mettait pas la réussite... Si. Ah, quand même. Si. Pour lui, d'ailleurs, j'ai quand même déçu, puisque pour lui, les seules choses sérieuses, c'était les études d'ingénieur. Et quand il y avait des enfants, d'amis, qui avaient des études un peu médiocres, il disait, oh, il finira bien par faire Sciences Po. J'ai fait Sciences Po. On va revenir. Voilà. On va revenir à Sciences Po. La maman aussi, si vous le voulez. Alors, bien. Maman. Alors, maman, c'était la plus corse de la famille. Mon père était corse aussi, Cyril Spinetta. Elle, c'est la famille Brignoli, non? C'est ça? C'est une famille Mariette et Brignoli. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était une Mariette. Elle avait épousé un monsieur Brignoli. Voilà, donc ça, c'est ma mère. Votre prénom, votre maman. Antoinette Marie-Flore. Née en 1912, malheureusement décédée. Alors, elle ne faisait pas corse du tout parce qu'elle a les cheveux roux. Et elle a une tignasse extraordinaire, la luisante, magnifique. Elle avait les cheveux roux et des taches de rousseur, on les voit, qui n'étaient pas des taches dues à l'âge, mais elle était avec des taches de rousseur. Alors elle parlait corse, le corse était sa langue maternelle, elle avait été élevée à Bastelica, née à Bastelica, dans la maison familiale, institutrice en Corse. Et dans les commerces, souvent les commerçants, corse et ailleurs, quand il y a trop de touristes, s'énervent un peu, et en Corse, ils disent un peu de mal des touristes. Et il voyait cette dame blonde rousse, avec des taches de rousseur, il ne pouvait pas imaginer que c'était une Corse. Et quand venait son tour d'être servie, elle engueulait d'abord en Corse le commerçant. Vous n'avez pas honte de traiter les gens comme ça. Voilà, elle avait un fort tempérament. Un fort tempérament. Très fort maman. Tempérament. Venons-en à votre naissance. C'est qui ça? Mon frère en haut, Dominique. Voilà. Né en 1937, on voit que c'est l'aîné. Ma sœur Marie-France, née en 41, et moi au milieu, le dernier. Née en 43. Avec mon frère, l'écart d'âge lorsqu'on était enfant faisait qu'on avait des rapports qui étaient ceux d'enfants qui ont 6 ou 7 ans d'écart. J'avais une admiration pour lui parce qu'il était incroyablement talentueux. Talentueux en dessin, en peinture, en sculpture. Et puis une espèce de curiosité permanente
et une espèce d'habileté manuelle absolument stupéfiante. Prodigieuse. Il prenait un poste radio, il le démontait, il le remontait. Moi, j'ai essayé, mais j'arrivais jamais à la démonter, ça allait, mais la remonter, j'y arrivais jamais. Et donc, il était tellement talentueux, il n'y avait pas de jalousie, mais de l'admiration que je me suis orienté vers d'autres domaines où j'étais moins en compétition avec lui. Finalement. Alors, ma sœur, 41 ans, là, on était en revanche extrêmement proches, on passait tous les étés nos vacances à Bastelica ensemble. C'était la scientifique de la famille, mon père aurait souhaité que ce soit ses fils qui soient les scientifiques, ça a été la fille, c'est comme ça, qui était une scientifique, qui était une batteuse, prof, extrêmement brillante. C'était, le mot qui me vient à l'esprit, c'était un peu Antigone, une espèce d'exigence vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la justice, de l'équité dans la société, de l'humiliation, de la dignité des hommes. Donc ces tempéraments, oui, d'Antigone, extrêmement, extrêmement fort. Et malheureusement, elle s'est suicidée. Alors je le dis parce que, par respect pour son geste, hein, c'est un choix qu'elle a fait, c'est un choix douloureux pour elle certainement, pour ses proches aussi, mais je pense que avec le temps qui est passé, c'était en 69, ça fait maintenant près de 50 ans, c'est une décision que j'ai toujours pas comprise, mais que je respecte. Voilà, donc pour sa mémoire, je souhaite dire qu'elle a fait le choix de suicider à 27 ans. À 27 ans. Et vous allez perdre votre frère aussi plus tard. Alors mon frère est mort en 96 d'un cancer. Vous êtes très jeune, hein, il avait 59 ans. Donc, alors on était devenus extrêmement proches, on était tout le temps ensemble. C'était un caractère très un peu anarchiste. Oui, exactement. Il n'était pas socialiste, lui. Hein. On va voir que vous avez. C'était un anarchiste. Architecte anarchiste. Voilà, exactement. Alors voilà la photo d'à côté, si vous le voulez bien. La photo d'à côté. Alors ça, c'est des souvenirs extraordinaires et rares. J'ai été un privilégié. Ça doit être 57, 58. Je ne sais pas très bien de quand est la photo précisément. Il y a mon père qui est là. Il y a le meilleur ami de ma mère, l'ami de village de Bastelica, Fernand Moreau, et puis moi, on est aux îles Lavezzi. Alors, mon père étant fonctionnaire au ministère de l'Équipement, il avait le privilège, il payait. Les phares peuvent accueillir des personnes. À l'époque, il n'y avait rien de phare, il y avait des chambres. Et donc, mon père passait tous les ans, quelques semaines, et plus tard, lorsqu'il était retraité, un mois au Lavezzi. Et je l'accompagnais très souvent. J'en ai profité, c'est des souvenirs formidables. J'ai du mal à y retourner, parce que maintenant, il y a tellement de monde. Moi, j'ai connu ça pratiquement désert. C'était un paradis sur Terre. Maintenant, c'est resté un paradis, mais avec beaucoup de monde. Ouais, beaucoup de monde, l'été, au mois de juillet, août. Voilà, bon. C'est des souvenirs formidables, formidables. On a parlé de la Corse maintenant. On va continuer de parler de la Corse, mais on va parler de votre carrière. Comment vous êtes devenu ce que vous êtes? C'est dans une pièce à côté. On va aller se mettre sur un canapé tranquille tous les deux. D'accord. Et vous allez continuer de vous confier. Entendu. Allez. Place. Merci. On a quitté les îles Lavezzi. C'est dommage. Et on va revenir dans la région parisienne. Vous êtes né à Paris, vous, hein ? Paris, 15e. Et vous allez grandir à Versailles. Voilà. Et c'est à Versailles que vous allez faire votre jeunesse, bien sûr. Alors, j'ai mis cette photo justement pour ces tourments, parce que là, on voit que vous êtes déjà grand. Vous avez grandi très vite. En fait, vous n'étiez pas trop à l'aise avec votre corps, hein ? Avec la vie, même. Je faisais la taille que j'ai maintenant, mais j'étais plus grand. Je faisais 1m80 à 13 ans. Et c'était un tel bouleversement, j'imagine, hein, et tellement subi et tellement rapide que, oui, je me suis retrouvé comme beaucoup d'adolescents. Qu'est-ce que je vais faire Et puis pratiquement en échec scolaire En échec scolaire, en seconde et en première, oui. Carrément. Un moment très, très difficile où je séchais les cours. J'étais vraiment... Je n'aimais pas l'école, mais je ne l'aimais pas beaucoup avant, alors que j'étais excellent élève. Jusqu'en troisième, j'étais très bon élève. Mais j'ai toujours un problème avec l'école. Je trouvais que c'était un lieu... Un lieu où vous enfermez un peu dans des contraintes, dans des... Alors ces contraintes, je les ai acceptées pendant une douzaine d'années. Et puis après, je m'en suis dégagé, voilà. Et puis je suis revenu. Exactement. Vous aurez votre bac quand même. Et oui. Voilà, même, j'ai vu cette photo là. Vous êtes au sortir de votre bac, vous regardez loin vers l'horizon. Voilà. Et vous regardez vers quel horizon justement, au sortir du bac? J'avais l'exemple de mon père, mais qui me paraissait un exemple... inatteignable. Donc, la fonction publique, le service de l'État, ça me paraissait, j'ai le sentiment de pas être tout à fait digne.
Puis finalement, je m'y suis résolu. Mais c'est un peu les héros de votre jeunesse, hein, de toute façon. Ces voilà, gens, vous en avez parlé, des gens qui reconstruisaient la France. Malheureusement disparu, où les héros, les exemples, c'était les hauts fonctionnaires. Hein, il faut voir une France défaite, une France qui se reconstruit en 1944-1945. Et au fond, ces gouvernements de la 4e République ont été injustement critiqués, une très grande instabilité parlementaire, ont une œuvre au plan économique, au plan de la modernisation du pays, remarquable, hein, auquel un jour on rendra justice. Et puis effectivement, vous allez quand même passer le concours de l'ENA, voilà. Le réussir, voilà. Et on va vous retrouver... À l'ENA. Et là. Et alors, avant de parler de là, on va parler de la personne qui... C'est mon épouse. C'est votre épouse, parce qu'en même temps que vous êtes un élève de l'ENA, vous rencontrez votre épouse Nicole, c'est ça? C'est à peu près concomitant? Alors, hein, je rencontre mon épouse Nicole en 66, oui. Donc j'ai 23 ans. Dans une préparation pour le ski, pour la compétition en ski. Une de vos passions. Voilà, une de mes passions, et c'est aussi une de ses passions. Donc on faisait de la gymnastique préparatoire à la compétition de ski. Et puis vous avez une autre passion aussi, voilà, avec Nicole, c'est le Parti Socialiste. Alors voilà, elle était aussi militante au Parti Socialiste, donc on s'est connus et on a milité ensemble pendant très longtemps. Puis vous allez même aider Chevènement à devenir député. Voilà, j'ai aidé Chevènement à être député en 73. J'ai été élu dans le territoire de Belfort. J'avais pris un mois de congé sans sol pour être son directeur de campagne pendant un mois au moment des élections législatives. Il a été élu, donc je ne sais pas si c'est grâce à moi, surtout grâce à lui. Mais enfin, en tout cas, j'ai eu le sentiment de... Mais en tout cas, militant actif tous les deux. Très actif, hein, vraiment. Très actif. Et au sortir de l'ENA, vous allez faire une carrière dans les différents ministères. Mais avant de revenir là-dessus, on va passer à cette diapo-là. Il se passe quelque chose aussi. En 1975, vous avez déjà ce petit garçon. Et arrive en 75, cette petite fille, Isabelle. Isabelle, qui arrive avec un... Qui arrive et qui est sourde profonde de naissance. Alors on la prend quand elle a 9 mois, un peu plus, presque un an. C'est évidemment un choc, parce qu'on n'est jamais préparé à savoir s'occuper d'un enfant qui souffre d'un handicap. Et on a été pendant longtemps avec mon épouse en recherche de solutions pour elle. Et on a fini par trouver. Et j'étais parti pour avoir une carrière politique. Je m'étais inscrit à la section du Parti Socialiste d'Évreux. Je pensais que la mairie d'Évreux et la députation étaient accessibles. J'ai renoncé, évidemment, tout de suite lorsque j'ai connu la surdité de ma fille. Et j'ai réinvesti mes ardeurs militantes au profit des enfants handicapés, des enfants sourds. Et vous allez créer une association, vous allez importer une... Alors on a importé en France une technique d'apprentissage de la parole. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un qui est sourd profond ne peut pas apprendre à lire. Voilà. Quand on n'entend pas, on ne peut pas apprendre à lire. Et voilà. En fait, cette méthode, c'est ça. Il faut avoir à la fois le vocabulaire, et il faut avoir la structure de la phrase pour prendre du plaisir à la lecture, même que la lecture soit accessible. C'est comme si vous-même, Luc... lorsque vous arrivez en CP, au lieu de vous apprendre à lire en zone que c'est le français, votre langue, ou le corse, on vous apprenait à lire en allemand ou en anglais. Évidemment, vous n'y arriverez pas. Et donc c'est cette méthode complètement révolutionnaire américaine que vous importez en France pour votre fille. Et aujourd'hui, elle s'appelle comment cette méthode ? Elle s'appelle le langage parlé complété. Le langage parlé complété qui va se diffuser à travers l'Europe. Et aujourd'hui, il y a des centaines d'associations de ce type. Voilà, il y a des associations dans tous les pays, il y a des écoles, il y a vraiment des interprètes en langage parlé complété. On a créé un diplôme d'interprète, des écoles. Enfin bref, ça a été une aventure d'une dizaine d'années avec mon épouse. Et aujourd'hui, votre fille... Ma fille a fait des études supérieures. Elle a fait l'école de commerce d'Audencia à Nantes. Elle est extrêmement brillante. Elle adore lire. Elle écrit magnifiquement bien. Bon, voilà. Donc c'était une parenthèse, parenthèse enchantée. Voilà. Après ça, justement, vous vous remettez quand même... Alors à gauche, c'est Eric. C'est mon fils aîné. Et vous en aurez deux autres, hein, je deux crois. Autres, deux autres. La diapositive suivante, c'est qu'après, vous reprenez du poil de la bête. Et là, on vous retrouve c'est quoi, au ministère du Travail, là, avec Delbar. Avec Michel Delbar. Hein, voilà. C'est une conférence de presse. Je suis directeur de cabinet, donc je suis à la droite du ministre. Et ça doit être une conférence de presse sur l'aménagement du temps de travail, sujet toujours compliqué. Alors, j'ai travaillé avec lui pendant 5 ans de compagnonnage... idyllique. Pour lequel j'ai gardé un immense respect pour lui. Mais encore une fois, on n'a pas le temps de tout dire, mais dans chacun des ministères où vous avez travaillé, c'est toujours de bonnes expériences. Toujours. Après celui-ci. Vraiment. Toujours. Après celui-ci, on vous retrouve là. Alors, Delbar, la photo qu'on vient de voir, il était ministre du Travail. Après, il est nommé ministre des Transports. Et c'est ces hasards des itinéraires des gens de cabinet ministériel qui font que je me retrouve propulsé comme PDG d'Air Inter en novembre 1990. C'est vraiment un hasard, Jean-Cyril. C'est le hasard que j'ai souhaité. Voilà, oui. Et alors,
vraiment vous arrivez souhaité. Là, vous vous mettez encore une fois au travail, mais en fait, ça se passe. Enfin, vous avez votre mot à dire et vous avez vraiment votre franc-parler. Écoutez plutôt ce que vous dites à l'époque quand ça commence à mal tourner du côté des Reinter. Je ne veux pas être le président d'une compagnie qui, en face d'une nouvelle offre concurrentielle, tardera à s'adapter, tardera à en tirer des conséquences et emmènera son entreprise dans des déficits structurels. Après ça, votre téléphone ne sonne plus. On a finalement moins d'amis qu'on l'imaginait. On n'en a pratiquement aucun. Ah mais bon oui, vous savez, quand on est président d'une entreprise, il y a les phénomènes de courtisanerie, comme des fois quelqu'un a un peu de responsabilité. Et donc, lorsqu'on est jeune, ce qui était mon cas à l'époque, on finit par croire un petit peu. On se dit, donc si je démissionne, les gens seront là, m'appelleront, me proposeront qu'on se voit. Plus rien. Du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Et les rares personnes qui s'y manifestent ne sont pas du tout celles qu'on imaginait. Enfin, c'est une bonne expérience. Ça met un peu de raison dans la manière dont on ça va vous choses. Aider plus tard. Mais ça justement, va beaucoup m'aider plus tard. Et c'est là, est-ce que c'est à ce moment-là que vous activez vos réseaux? Là, pas... on vous voit avec non, Jean-Pierre non. Chevènement, on voit Guesso, l'ancien ministre Guesso, des Transports. Et ma mère. Vous avez quand même les réseaux du Parti Socialiste. Donc, oui, effectivement, vous pas... vous retrouvez seul, mais pas seul. Je ne suis pas du tout un homme de réseau. Je pense être un homme d'amitié, de fidélité en amitié. Mais je suis assez peu un homme de réseau. Je ne sais pas entretenir un réseau. Enfin, ce n'est pas, fait pas partie de mon savoir-faire, de mon savoir-être. Sauf que là, il va y avoir un siège qui va se libérer. Christian Blanc va démissionner d'Air France. Qu'est-ce qui fait qu'on vous appelle? Bah écoutez, c'est à la amis. Fois un peu le hasard et quand même, j'avais été à Air Inter pendant 3 ans, donc j'étais un des rares candidats, à vrai dire le seul, qui connaissait le transport aérien déjà, pour avoir été responsable d'une grande compagnie aérienne pendant 3 ans. Lionel Jospin était Premier ministre. Jean-Claude Guesso, ministre des Transports, Chevènement, ministre de l'Intérieur. Donc j'étais connu de la plupart des membres du gouvernement. Et donc le choix du successeur de Christian Blanc est un peu long. Et finalement, Lionel Jospin arrête son choix sur ma personne. Vous. Voilà, septembre 97. Septembre 97, ça va durer 13 ans, l'aventure avec Air France. Alors, ça va durer 16 ans. 16 ans, 16 ans. 97-2013. Alors Air France, ça dure 11 ans jusqu'en 2008. Mais ensuite, je reste responsable d'Air France KLM. On va continuer de parler un petit peu d'Air France KLM, mais pas dans cette pièce-là. On va plus voir un petit peu... Ben, vous allez voir ce qu'on va voir, tiens. Allez, venez dans la pièce d'à côté. Périple, Jean-Cyril. Donc, on va voir un petit peu ce qui se cache derrière tous ces écrans. Bah, d'ailleurs, celui-là, si vous voulez. Alors. Si volontiers, vous voulez. Allons-y, Luc. Eh bien, voilà. Vous avez évoqué Air France KLM. Là, c'est le jour de la signature. Voilà. C'est probablement le moment le plus fort de mon itinéraire à Air France. Et on est en octobre 2003, Amsterdam. On réunit 100 000 salariés là. Voilà. 100 000 salariés. Voilà, 60 000 et 40 000. Ça devient une des plus grosses entreprises du monde. Voilà. Ça, c'est votre réussite. C'est la plus grosse. J'ai envie peut-être. La plus grosse à la l'époque. La plus grosse et la plus rentable. Et c'est la première fois dans le monde que deux compagnies aériennes majeures appartenant à deux pays différents décident de fusionner. Et donc, non seulement on n'a pas été à la remorque des autres, mais on a montré le chemin aux autres. D'accord. Image suivante. Dans votre bureau à Roissy. Bureau, alors vous voyez, sur les pistes. Où il y a 40 000 salariés là. 40 000 salariés qui travaillent à Roissy. C'est une question personnelle là. Comment on peut avoir un tel bureau, être ce personnage et continuer d'être de gauche, Jean-Cyril? Est-ce que c'est en contradiction ou pas? Écoutez, moi je n'ai jamais ressenti ça du tout. Alors, je vais peut-être préciser ma question. Est-ce que quand tout va bien, c'est facile, mais quand tout va mal, quand il commence à peut-être falloir. Quand il va falloir gérer des conflits sociaux, est-ce que c'est pas un peu plus difficile alors? C'est toujours plus difficile de conduire une entreprise quand elle est en crise que lorsqu'elle est dans l'euphorie économique. Moi, j'ai eu à affronter deux crises en tant que patron. Une crise en 2001, tout le monde l'a oublié, une crise terrible en transport aérien, 2001-2004. Et donc, on a été amené à prendre des mesures, non pas de licenciement, mais des mesures de blocage des salaires, de
suppression des embauches, plus d'embauches, non-renouvellement des gens partant en retraite, etc., etc. Première crise. Et puis la deuxième crise, c'est 2008-2009. Et lorsque je reviens aux responsabilités en 2011 comme président d'Air France KLM, pendant trois ans, 2011-2013, je lance un plan de restructuration assez vigoureux en tant que patron d'Air France KLM, à Air France et à KLM, avec 11 000 suppressions de postes à Air France, quelques milliers à KLM. Voilà. Mais je l'ai toujours fait sans une heure de grève, et en 2000 et en 2011. Parce que c'est ça, j'expliquais aux salariés et aux ceux qui représentent les syndicats la réalité de la situation, les mesures qui devaient être prises, quelle était la direction stratégique de l'entreprise. Et les salariés ont toujours eu la maturité, comme c'est toujours que l'on a gardé, de comprendre la réalité de la situation et d'accepter des mesures qui n'étaient pas agréables, mais qui pourtant s'imposaient à eux. Être de gauche, c'est éviter la grève ? Non, pas forcément. J'ai eu des grèves extrêmement dures, une en 98 avec les pilotes, une en 2002-2003 extrêmement dure. Bon, j'ai affronté parce qu'il fallait les affronter. Non, c'est pas éviter la grève. Mais je crois que c'est dire la vérité aux gens sur la situation. Ce qui me choque, la situation dans laquelle l'Air France, je vais vous dire. C'est la première fois que je l'exprime, c'est chez vous. C'est que Air France est présentée comme une entreprise proche de la faillite. C'est faux. C'est une entreprise qui gagne de l'argent depuis 5 ans. Qui paye ses investissements sans aucune aide de l'État depuis 25 ans, mais qui est insuffisamment rentable. Elle est rentable, mais pourquoi présenter une entreprise insuffisamment rentable, ça veut dire rentable, comme proche de la faillite ? C'est une erreur. Et à mon avis, c'est la tendance des gens, est-ce qu'ils sont de droite ou de gauche, j'en sais rien, qui pensent que les salariés ne font des efforts que s'ils ont peur. Alors cette idée, moi, me choque considérablement. Je pense que les salariés font des efforts si on leur explique quelle est la réalité des choses et qu'on leur trace une direction dans laquelle ils se retrouvent. Allez, on va passer à l'écran suivant, si vous le voulez bien. L'écran suivant, bon, on a encore fait appel à vous parce que vous êtes parti à la retraite à 70 ans, comme votre 70 père. 70 ans, hein, un tout petit peu avant, deux mois avant. Mais vous avez encore, on est revenu vous chercher parce que dès qu'on parle de transport, on a affaire à vous, j'ai l'impression, dans ce pays. Et ben voilà, on vous a retrouvé sur... Voilà, 15 février 2018, c'est le jour où je remets mon rapport au Premier ministre. Voilà, et je fais une conférence de presse. Écoutez, en deux mots, j'ai accepté ce rapport. Je ne suis pas un grand spécialiste du ferroviaire, surtout maintenant un peu plus. Je travaillais pendant quatre mois. Le sujet, au fond, est un sujet tout simple. L'Europe a décidé, et la France l'a accepté, quand je dis la France, tous les gouvernements, de gauche, du centre, de droite, successifs, que dorénavant, la concurrence soit le principe d'organisation du secteur ferroviaire français. Donc le sujet qui était posé, que j'ai essayé de traiter, c'est comment dans un système où la SNCF sera en concurrence avec d'autres opérateurs, faire en sorte que l'opérateur historique, la SNCF, garde une place prééminente. Et ça demande quelques efforts, quelques ajustements, mais je l'ai fait pour que la SNCF garde cette place prééminente. C'est intéressant ça, parce que ce que vous me dites là, vous l'avez raconté sur tous les médias, on écoute. On ne l'a pas encore entendu, il a choisi France Inter pour s'expliquer. Jean-Cyril Spinetta, bonjour. Bonjour. Et bienvenue, avant d'entrer dans ce studio, vous lisiez la presse, mesures choc, rapport explosif, big bang, traitement de choc, chamboule tout, révolution. Lesquels de ces mots sont justes pour décrire vos propositions ? Aucun. Aucun. Justement, qu'est-ce qui est juste pour dire cette proposition ? Qu'est-ce qui est juste sur votre rapport ? Écoutez, le gouvernement a suivi une grande partie des préconisations que je formulais. C'est lui qui a eu à affronter le conflit social qui en est résulté. Donc j'ai le sentiment d'avoir servi la SNCF et les cheminots. Par ailleurs, vous êtes toujours très actif et j'ai trouvé cette photo. Vous êtes encore dans de nombreux conseils d'administration. Là, c'est LASER. Ah ! Hein, c'est LASER. LASER, c'est un think tank. C'est un think tank qui a été créé par des responsables du mouvement syndical et qui, alors, que je préside depuis plus de 15 ans. Vous vous arrêterez jamais ? Écoutez, j'espère que non. Je m'arrêterai forcément. Quand vous vous arrêtez, en tout cas, vous vous arrêtez là. Et on finira par cette photo. Voilà, alors ça, c'est la maison familiale de Basilica, la maison de... C'est une photo de 1910, ça. Hein, oui, oui, oui. Ça, c'est des maisons de côté de la mer. Voilà, c'est la maison côté maternelle. Alors là, la maison s'est agrandie. Vous voyez, il a été construit une partie ici qui n'est pas sur cette photo. J'en suis maintenant le... Je ne m'en sens pas le détenteur, j'en suis le continuateur. Voilà, donc j'espère que ça transmettrait à mes enfants. Et donc c'est la maison de Basilica. Ça a assez peu changé. Mes parents l'avaient fait un peu restaurer
En 82, il y a une trentaine d'années, donc elle est confortable, elle est modeste, mais elle est extrêmement confortable. Donc si on veut vous rencontrer, on va à Bastelica, voilà. Au moins l'été. Voilà, vous y êtes au moins l'été. C'est l'heure de se quitter, déjà. Mais avant de se quitter, il y a un geste dans cette émission, c'est le selfie. Je ne sais pas si vous y prêtez souvent. Non, mais avec vous, très volontiers. C'est gentil. Allez, on sourit. Voilà, Jean-Cyril. Ça a été un plaisir. Un plaisir de vous accueillir dans cette émission. Et surtout, un plaisir de voir que vous êtes prêté avec autant d'honnêteté et de générosité. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci, Luc. Merci à vous et une prochaine. À très bientôt. Au revoir. J'espère. Au revoir. We'll be right back.